Clépierre a pris quelques idées là, pour mettre en œuvre rapidement les centres commerciaux. Bonjour, voilà, j'étais ravie de faire partie de cette table ronde. Elle était extrêmement intéressante avec Renault, Unilever, aussi bien Think & Go et Groupon. Donc on avait à la fois des acteurs du physique, du digital, des marques, nous les centres commerciaux Clépierre. Donc en fait pour moi ce qui est vraiment intéressant c'est que ça montre vraiment qu'aujourd'hui le pop-up store c'est une nouvelle manière pour les marques de s'exprimer et nous les centres commerciaux on est un média. Donc en fin de compte on est un média qui reçoit une nouvelle expérience de marque qui peut être à la fois physique et digital. D'accord. Est-ce qu'il y a une idée en particulier qui est ressortie de la table ronde que tu as envie de mettre en œuvre dans les jours qui viennent? Il n'y a pas eu une idée, il y a eu 10 000 idées. Donc, 10 000 idées. Les écrans, par exemple, on a vu des écrans, on voit très bien ça dans des centres commerciaux avec des coupons que les gens peuvent aller chercher un peu plus loin. C'est quelque chose qui fait sens pour vous? Moi, ce que j'ai trouvé très intéressant aussi, c'est qu'on n'a pas parlé de l'intervention non plus de Olivier Mathieu de Price Minister qui a dit que en fait, ce qui est au cœur aujourd'hui du commerce, c'est la relation avec le client. Oui. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. Et je pense qu'au-delà d'un écran, ce qui est important, c'est le contact physique, le contact humain. Et qu'on peut prolonger grâce aux réseaux sociaux dans le digital. Mais moi, pour moi, c'est ça qui est très important et qui structure toute notre démarche.